Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du mardi 23 juin 2020 avec et comme toujours le jeu 32. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ne soyez pas inquiets, normalement je devais faire la guidance des énergies de la semaine. Enfin je vous avoue je l'ai faite, mais apparemment j'ai eu des petits soucis de vidéo. Donc je passe directement au tirage du jour pour ce mardi 23 juin 2020. Donc si elle passe, bah, tant mieux, si elle passe pas tant pis. Mais je vais essayer de voir ce qui se passe. Alors, soit comme j'ai des petits problèmes de réseau. Donc, on verra, hein, je vous dirai. Donc là, on a la carte de l'As de carreau qui vient de tomber. Il y en a certains qui vont avoir des nouvelles. Alors, nouvelles, hein, c'est tout ce qui est nouvelles, soit du partenaire, si c'est dans le sentimental. Des nouvelles, ça peut être dans le professionnel. Des nouvelles pour un poste d'emploi. Des nouvelles, ça peut être dans tout ce qui est lié à la santé. Des nouvelles de votre médecin ou tout ce qui est analyse. Ou traitement. Donc en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour ce mardi 23 juin 2020. Donc le mardi 23 juin, 3 et 2, 5, c'est un chiffre tout ce qui est lié au changement, à la liberté. Vous allez pouvoir enfin respirer, souffler, peut-être des nouvelles concernant cet as de carreau, des nouvelles que vous attendez. Et ça, comme je vous ai dit, ça peut être des bonnes nouvelles. Nous avons pour la coupe le 10 de pique et nous avons le 7 de pique. Alors, des nouvelles, comme je vous ai dit, des choses qui vont arriver très vite, avec certitude, dans les 24 heures, 48 heures, ou pourquoi pas dans les heures à venir, puisque le 10 de pique, c'est tout ce qui est lié à... Comment je vais dire, le 10 de pique, c'est tout ce qui est lié à la rapidité, hein, d'accord? Donc, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc, ça serait plutôt pas mal. Et j'ai la dame de trèfle qui vient de se retourner. Donc, c'est vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, vous inversez. Ou pour vous, messieurs, c'est peut-être votre partenaire, votre compagne. Allez, on y va. On va en prendre 13. J'espère que vous les voyez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 13. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est la carte qui représente un jeune homme, soit plus jeune que vous, un homme soit plus jeune du point de vue âge. Donc, ça peut être, admettons, je vous donne un tout bêtement, vous avez 40 ans, il en a 30 ou 35 ans. En tous les cas, plus jeune que vous. Hein, vous mettez 5 ans ou 10 ans de moins que vous. Mais quelqu'un qui représente bien, enfin qui représente quelqu'un qui est un petit peu, soit un petit peu côté un peu immature, un petit peu peut-être, un petit peu ce côté âme-enfant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est bien habillé, bien coiffé, d'accord, qui présente bien sur lui-même. Allez, on y va, on commence par la première carte. Donc, si j'arrive à l'attraper. Oh, oh, nous avons la dame de carreau. Donc là, pour certains et certaines, il y a une femme pas bonne autour de vous. Donc, faites gaffe. Peut-être une femme qui tourne autour de votre partenaire, hein, puisque le valet de trèfle, ça peut être aussi un homme avec qui vous conversez. Mais en tous les cas, il y a de la joie. Hein. Quand vous avez ça et ça, on vous dit que c'est vous qui avez le dessus. Hein. Il y a de la joie concernant cette femme. Donc, vous allez plutôt, ça serait plutôt vous qui allez la manipuler. Vous savez qu'elle n'est pas bonne. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de cette dame de carreau. Hein. Donc, on vous dit quand même de faire attention. Il faut toujours être sur ses gardes. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles du 7 de cœur, c'est tout ce qui est lié à la grossesse. Ça peut être des nouvelles d'une nouvelle relation. Ça peut être des nouvelles concernant ce valet de trèfle. Hein, une nouvelle relation avec un homme plus jeune que vous ou un homme un peu côté immature, mais qui est physiquement très élégant. En tous les cas, il y a une belle naissance concernant, si c'est dans le domaine sentimental, d'une relation. Si c'est dans le professionnel, ça va vous apporter de la joie, un nouveau poste, un nouveau contrat. Là, nous avons le foyer. Donc, on est bien sûr du sentimental. Là, on est bien quelque chose que vous allez créer quelque chose, créer votre foyer, créer quelque chose, vivre avec la personne. On retrouve ce 10 de pique, donc là on vous dit dans les 24 heures, 48 heures, hein, pour ce mardi 23 juin 2020, il y a des choses rapides qui vont arriver, des nouvelles d'un homme, donc ça peut être ce valet trèfle qui est comme ce roi trèfle, hein, ça peut être la même personne. Donc là on a un homme de caractère, un homme dominant.
On va voir si cette dominance est positive. On va dire que oui, parce que c'est un homme qui est dominant, qui a du caractère, pas dominant dans la méchanceté, hein. Dominant, qui ne se laisse pas faire, qui est protecteur. Il peut être comme accompagné de ce valet trèfle, comme je vous le disais, hein. Quelqu'un d'élégant, charmeur, charmant. Mais en tous les cas, niveau professionnellement, c'est quelqu'un qui est peut-être dans son entreprise, qui a sa propre entreprise. Il peut être patron, directeur. En tous les cas, il gère de l'argent. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un avocat, ça peut être un gendarme, quelqu'un en uniforme, ça peut être un médecin, quelqu'un qui gère bien sa vie, vous allez en avoir des nouvelles, l'as de carreau est ressorti. Niveau sentimentalement, c'est plutôt pas mal, hein, mais on vous dit de faire attention à une femme. Des nouvelles aussi concernant soit cette personne-là aussi, hein, si on reste dans le sentimental, peut-être que justement cette personne-là, vous êtes en conversation avec un homme qui est justement d'origine étrangère, peut-être que justement aussi également cet homme peut-être dans une autre région ou dans un autre pays, en tous les cas loin de vous. On a une dame de pique, ça peut vous représenter, vous, mesdames, à partir d'un certain âge. La dame de pique, ça peut être vous à partir de la cinquantaine. Ça peut être aussi votre maman, votre grand-mère, qui est loin de vous, qui est soit dans une autre région ou dans un autre pays. Et en tous les cas, vous avez la réussite. Franchement, c'est un superbe tirage pour ce mardi 23 juin. On a juste cette dame de carreau qui est là. Mais honnêtement, dans votre jeu, comme il y avait sorti le 9 de cœur, honnêtement, c'est plutôt pas mal parce que vous avez le dessus sur cette femme-là et vous savez qui elle est, d'accord ? Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on va faire les associations de cartes. Donc là, on a déjà trois as. Donc maintenant, vous connaissez un petit peu, mais bon, je le fais. Les trois as, c'est tout ce qui est embarras, difficulté, mais vous avez des chances de gagner. Donc, on vous dit, vous avez cette chance-là concernant cette femme. On vous dit aussi, faites attention parce que les as, c'est associé à la jalousie. Donc là, on est bien à la confirmation avec cette dame de carreau. On a quoi ? Est-ce qu'on a ? On a quoi ? On a trois rois. Donc, un, deux, trois. Donc, les trois rois, c'est le succès. C'est aussi les bons conseils. Il y a un homme, c'est cet homme-là, hein, celui-là que vous avez rencontré. Donc, messieurs, c'est, vous mettez la dame, hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a d'autres associations ? Non, j'ai deux 10. Les deux, non, on n'associe pas les deux cartes. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pof, pof, pof. Non, ben, c'est bon, on n'a que deux dames. Donc, les deux dames, pareil, je ne les associe pas. Et ben, c'est bon. Allez, on va recourir juste la dame de carreau parce que franchement, c'est un excellent tirage. Génial. Allez, dame de carreau. C'est une femme qui va peut-être vous demander de l'argent. C'est une femme qui est peut-être en rapport avec l'argent. Donc, on vous dit aussi de faire attention à cette femme concernant votre argent. D'accord ? Ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Faites attention. Bon, en tous les cas, super tirage. Honnêtement, hein. Génial. Rien à dire. Allez, on continue. Sentimental pour ce tirage du mardi 23 juin 2020. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, tirage sentimental du jour du mardi 23 juin 2020. On y va à la coupe. Waouh, génial. Regardez, réussite sur le domaine de la loi, de la justice. Donc, pour celles et ceux qui sont en procédure, vous gagnez. Hein. Il y a une réussite totale sur une procédure. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez. Ça peut être aussi, si c'est dans le domaine sentimental, hein, ça peut être... Je vais décaler un petit peu parce que vous n'allez peut-être pas voir. Je ne sais pas si vous voyez mieux, peut-être. De toute façon, je vous l'ai fait voir. Hein. J'en étais où ? Alors ça, ça va en bas, que je ne fasse pas de bêtises. Allez, la réponse, on est là. On fait ça, on fait ça. Là, on fait ça et on fait ça. Ah, on a la quoi ? On a la carte de l'instabilité. Il y a des choses qui sont... Ah ben, on retrouve la loi. Oh, l'échec. Il y en a qui sont inquiètes, là, ou inquiets. Oh, il y a de la protection. Bon, il y a le miroir magnétique. On est bon. Oh, 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 oh. Il y en a qui ont des choix à faire. Eh bien, ça va être tout simple. Alors, on a la carte du choix, miroir magnétique. On a la carte du bouclier. On a la carte de la loi. On a la carte de l'échec. Et en doute deck, on a l'instabilité, les accusations. On vous dit de faire attention. Allez, on commence, mes amis. Mes amis, ça bouge un peu mon téléphone. Non, c'est bon. Il faut que j'arrête de bouger, en fait. On a, pour vous, mes amis célibataires, on a la carte du choix. Donc là, il y a bel et bien une rencontre. Mais, attention, il y a vraiment une belle rencontre. OK. Il y a vraiment de l'attirance entre vous deux. OK. Par contre, on vous dit, faites attention parce que vous vous protégez quand même.
pourquoi vous vous protégez. Peut-être que vous avez subi par le passé quelque chose, soit une séparation difficile, qui vous avait peut-être même limite à un divorce, et vous avez peur de l'échec. La réponse est, c'est l'échec. Pas l'échec de cette nouvelle rencontre, parce qu'on a vraiment une attirance totale entre vous deux. D'accord? Entre ces deux personnes, enfin, entre vous deux, par contre, entre cette personne que vous allez rencontrer, donc homme ou femme, hein, bien sûr, vous mettez à votre sauce, mais on a l'impression que pour vous, mes amis célibataires, vous flippez, hein, vous avez peur, chose qui est normale, parce que par le passé, on voit que vous avez peur que cette relation ait voué à l'échec, parce que vous vous protégez, peut-être que vous avez justement subi des choses pas très top par le passé, vous avez peut-être subi une séparation difficile et vous avez peur que ça recommence. On voit que dans votre tête, c'est vraiment l'instabilité, hein, vous avez peur que la personne vous accuse par rapport à cette nouvelle relation. Mais il n'y a pas de raison. On voit bien que vous avez ce choix. Soit que vous y allez ou vous n'y allez pas. Mais en tous les cas, il y a vraiment une attirance entre cette personne-là. Dans le tirage général, il y avait quelqu'un de bien pour vous. Hein, quelqu'un de protection, de protecteur. Il y avait la protection. Et regardez, on a quand même ce bouclier. Hein, donc, vous êtes protégé, vous vous protégez. Mais là, c'est vrai qu'on vous protège. Donc, n'ayez pas peur à l'échec. Okay? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc c'est la même chose. On voit que cette relation, elle est bonne, puisque on voit que vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre, mais vous vous protégez quand même. On voit que la personne vous protège. Mais alors, peut-être que c'est une personne qui travaille dans la loi, hein, justement, elle va vous protéger doublement, mais vous avez peur de l'échec. Il va falloir avancer, hein, pour celles et ceux qui viennent. Enfin, c'est pour tout le monde, parce que ça va vous rendre instable, hein, si vous pensez trop au passé. Hein, d'accord ? Quoi qu'il arrive, la relation, elle est bonne. Ok, donc on oublie l'échec, on avance. Ok. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, peut-être qu'il y a eu un moment, on voit qu'il y a de l'attirance, hein, toujours avec votre mari ou votre femme, mais il y a eu peut-être un moment où il y a eu un choix, vous hésitez, vous avez peur que peut-être que même si ça se passe bien, que votre mari ou votre femme aille voir ailleurs, donc vous protégez votre couple, vous vous dites que, on voit que vous êtes une personne droite ou droit, on voit que vous êtes carré, mais vous avez peur que la personne aille voir ailleurs. On voit que dans votre tête, c'est vraiment instable, mais vous n'avez pas besoin de vous tracasser, on voit qu'il y a quand même de l'attirance, donc nos stress, ok? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus, on voit que là, il y a ce choix, on voit que vous allez prendre la décision de partir, on voit que quand même, il y a toujours de l'attirance l'un envers l'autre, surtout la personne qui est avec vous, hein, qui voudrait bien que vous restiez. Vous vous protégez, pourquoi? Parce que justement, peut-être que la personne, on a quand même la carte des accusations derrière, l'instabilité, peut-être que la personne justement était trop méchante avec vous, vous disiez trop des choses méchantes, mais on voit que ça va passer par la justice, parce que là sinon, si vous restez, si vous décidez ce choix de rester avec cette personne-là, votre mari ou votre femme, c'est voué à l'échec, hein, et ça vous rend instable. Donc, il faut partir, hein, là, pour celles et ceux que ça ne va plus dans leur couple. Ensuite, pour celles et ceux qui sont triangulaires, donc là, on a bien ce choix. Là, on a des doutes. On voit que vous avez des doutes sur cette nouvelle personne avec qui vous êtes en triangulaire. Mais pourtant, il y a vraiment de l'attirance totale entre vous deux. Vous vous protégez quand même parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur que la personne ne quitte pas la personne avec qui il est actuellement. On voit que la personne va se décider, ça sera amené en justice. Donc, il y aura bien évidemment un divorce. Mais là, vous êtes dans une période d'échec. Vous avez peur, ça vous rend instable. Mais quoi qu'il arrive, il y a bien ce choix que soit vous avancez avec elle, soit que vous abandonnez. Mais honnêtement, il y a quand même ce miroir magnétique. Vous êtes attiré, la personne est attirée, là, non, enfin, avec vous, elle est vraiment attirée vers vous. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, donc là, on a bien une situation de choix. On voit bien que la personne revient. On voit que vous vous aimez toujours. Il y a vraiment de l'affection, de l'amour avec cette personne-là. Mais vous vous protégez quand même lorsqu'elle va revenir. Là, vous vous dites peut-être qu'il y avait une séparation très difficile. Vous avez peur que la personne, lorsqu'elle va revenir, reparte également au plus vite. Ça vous rend instable. Peut-être que la personne, quand elle était avec vous, il y a eu des accusations. On a quand même les enfants derrière. On a la famille, les enfants. Et là, on a cette carte de réconciliation, de compromis. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bon pour vous, pour celles et ceux qui veulent que le retour de l'ex revienne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va finir avec le jeu de Béline. On va retirer deux cartes. On va savoir. Allez, c'est parti. Monsieur Béline pour le tirage du jour du mardi 23. Juin 2020, on va procéder à la coupe, on a le changement, génial, on a la famille, donc peut-être qu'il va y avoir des changements pour vous, même niveau famille, peut-être que, alors là quand vous voyez, vous savez pas, vous faites ça, pourquoi il y aura du changement, ben voilà, il y aura un autre homme ou une femme,
hein, concernant, et là vous allez partir, déménager, changer de région, changer de maison, puisque la campagne, c'est aussi la résidence secondaire. Donc, il y a vraiment un changement. Vous allez peut-être présenter à la famille cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais en tous les cas, là, il n'y a pas de négatif. Hein, d'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, que du bonheur. Allez, on en prend deux. Ah, il y a une engueulade. Engueulade, justement. Alors, ça peut être engueulade en famille, mais là, c'est plutôt avec une seule personne. Hein. Donc là, c'est plutôt peut-être, on vous dit de faire attention aussi au niveau tout ce qui est argent, parce que l'infortune, c'est lié aussi à l'argent. Mais là, c'est plus des ennuis. Ça peut être, il y a quelque chose qui va vous remonter concernant soit une personne d'un certain âge. Ça peut être votre maman, ça peut être une grand-mère. Alors, si vous n'avez pas plus de grand-mère et plus de votre maman, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui a des soucis d'argent, justement. Mais là, il y a une embrouille d'argent. Hein. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous ennuie, et ça va vous amener à des petites engueulades. D'accord ? Et en d'autres decks, on avait des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Peut-être une personne qui vous doit de l'argent. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage du jour du mardi 23 juin 2020 vous aura parlé. On se retrouve de toute façon demain et en espérant que mes vidéos marchent. Sinon, donc vous inquiétez pas. Si la vidéo des guidances de la semaine ne passe pas, bon ben, il n'y en aura pas, je suis désolée. Et sinon, au pire des cas, je ferai demain matin, je ferai une petite vidéo pour vous faire la signification du tirage de ce que je vous avais fait dimanche, hein, de l'interprétation avec le jeu de Béline, ok? J'essaye de limiter mes vidéos, ok? Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain, ciao, bonne soirée, bye bye!